à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui, épisode 15 de la 5e saison. On est à mi-parcours de notre projet 10 ans. L'année dernière, on a terminé second de L1, quart de finaliste de la Ligue Europa. On avait terminé auparavant 3e du groupe de Ligue des Champions. Cette année, ça va être un tournant dans notre carrière. À partir de là, maintenant, on va voir plus haut, terminer la seconde place de la Ligue 1. On va essayer maintenant de battre le PSG, de terminer devant eux, de passer les phases de groupe de la Ligue des Champions, si possible aller très très loin. Et pour ça, on a quand même investi dans ce mercato et avec beaucoup de changements au club. Comme vous avez pu voir sur la miniature, le départ du Serbe Jovetic, mais ça on en parle juste après. On a recruté pour 10 millions d'euros Ruben Gangora du Real Madrid. Il a seulement 19 ans. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression. On l'a pris pour l'avenir. Il vient d'être prêté à l'Anvers de Guingamp en Ligue 2. Histoire qu'il s'aguerrisse avec la langue et qu'il soit titulaire dans un club. Chez nous, il n'aura pas été titulaire. Il aura joué quelques bouts de match. C'est un pari qu'on a acheté 10 millions. Avec les bonus, ça peut monter à 17 millions. Maintenant qu'on a quand même un peu d'argent, on peut tenter des paris à voir dans les années à venir. Le deuxième plus gros transfert de la saison, c'est Pablo Montserrat. Lui, il vient remplacer le Serbe Dejan Jovetic. Jeune Argentin de 20 ans, une sélection U20. Il n'a encore pas sélectionné avec l'équipe première, avec l'équipe A. Grand gabarit. 1m97, 86 kg. Lui, il va vraiment peser sur la défense. Je ne sais pas si vraiment ça va être une bonne idée, puisqu'il sera vraiment seul en attaque. Un joueur de ce gabarit, c'est plutôt avec un joueur rapide à ses côtés. On tente, on verra ce que ça donne. Mais je crois beaucoup en ce joueur. Bien sûr, c'est la cellule de recrutement qui me l'a proposé. Et il a une grosse marge de progression aussi. Il est perfectionniste, très de finition, très en sang-froid, une grosse capacité de dribble. Il a une très bonne fiche. De toute façon, il ne faudra pas qu'il nous déçoit. On mise gros sur lui. On a ensuite donc l'option d'achat levée pour Stuart Ottesen de la Juventus qui était en prêt chez nous, qui avait fait une bonne saison avec un 7-0-3, 26 matchs, 2 passes décisives, une bonne note, même une très bonne note pour un défenseur droit. Les 6 millions, de toute façon, c'était une obligation d'achat et je suis vraiment content d'avoir pris ce petit risque. Pareil pour Tefun, le joueur du Galatasaray, avec une option d'achat, lui, non obligatoire, de 4,8 millions, mais on l'a levé. Très intéressant en première saison, il a très peu joué, il a été en rotation toute la saison, 18 matchs seulement, mais c'est un joueur où je crois beaucoup en lui, avec son 19 de déter, son courage est 18, il peut jouer défenseur central, comme il peut jouer mieux défensif. Et là, il vaut entre 10 et 14 millions. On a fait un bon petit coup. Au niveau progression, il a potentiellement 4 étoiles, on en a 3. Il va pas énormément progresser dans les années à venir, mais c'est un joueur qui peut nous rendre service en rotation. On a aussi Stefan Kovac. L'option d'achat était de 2,2 millions. On l'a levé, mais on l'a tout de suite fait partir en prêt à Darmstadt en Allemagne avec une option obligatoire qui a été levée de 5 millions. On sait un petit bénéf de 2 millions sur lui. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Ricky Puig, ça fait un milieu central en trop. Mais lui, on l'a surtout pris pour la plus-value. On a acheté Mauro Neves au dernier jour du mercato. Un joueur uruguayen du 18 ans, 1m89, 84 kg. Lui, on l'a tout
tout de suite prêté. Il est parti en Ligue 2, à Pau. Pareil, pour s'aguerrir. Ça peut être un joueur d'avenir, on n'a pas pris trop de risques sur lui. Il est venu pour 2,6 millions. C'est un joueur, pour l'instant, moyen, capable de progresser. On a recruté un joueur de Nuremberg, un petit arrière-gauche, Stéphane Hoogtaler. Il était citoyen modèle à Nuremberg. Et lors de son transfert, il a perdu cette personnalité. Il est maintenant enjoué. Je suis un peu dégoûté de ça. Mais c'est le risque en achetant des joueurs. Je vais réfléchir à son avenir, ce que je vais faire avec lui. Au prochain mercato, s'il partira pas, à voir. On l'a recruté pour 1 million. Voilà, il n'y a pas grand chose de dépenser. On a levé l'option d'achat de Ruska, 1,3 million, qui était venu en prêt l'année dernière, qui a fait une bonne petite saison. Il était venu au mercato hivernal, hauteur de 9 apparitions, 3 buts. Ça va être un joueur en soutien de Montserrat. Et ensuite, on a pris des petits joueurs, Mauro Castro, jeune Uruguayen, lui aussi, Staline Garcia, jeune Colombien. Et en prêt, un arrière-droit, Omer Tosun du Galatasaray. On va maintenant parler de Ricky Puig qu'on a recruté librement. C'est notre premier joueur qu'on avait acheté lors du dernier mercato hivernal, qui est venu donc cette année gratuitement. C'est à partir de cette saison, on va voir l'évolution de l'équipe avec des joueurs d'une bonne réputation en Europe. Il est formé bien sûr à Barcelone, il a des bonnes petites stats, mais au niveau salaire, il est né quand même à 364 000 par mois, qui fait de lui le plus gros salaire du club, le plus gros salaire jamais vu à Nancy. On a besoin de franchir le cap de la Ligue des Champions et de titiller le PSG. Et notre troisième buteur, Kepora, Montserrat et Ruska, il s'agit de Sebastiano Esposito, l'Italien de l'Inter de Milan. On a une option d'achat à 8 millions 8 sur lui. Donc c'est-à-dire qu'en fin de saison, quoi qu'il arrive, même si il nous fait une saison de merde, il sera chez nous. C'est un joueur où dans les anciens FM, il était super bon cette année. Il a un peu moins, mais j'ai tenté ce pari. J'ai voulu le tester. Et pour 8 millions d'euros, pour un joueur avec 14 finitions, 13 sang-froid, très bon en technique, bon contrôle de balle, je pense que c'est pas énorme. Et on va parler départ. On a le départ de Faustino à Turin qu'on a recruté libre 20 jours avant. Il est parti pour 34 millions d'euros. Il est arrivé libre de Chelsea. Je l'avais acheté comme Ricky Puig il y a 6 mois au mercato hivernal. Finalement, en fait, j'en ai pas besoin. J'ai revendu dans la foulée et on a fait une superbe plus-value de 34 millions d'euros, énorme. Ça a renfloué les caisses. Et pour un club comme Nancy, c'est vraiment extraordinaire. Et là, pour 30 millions d'euros, on a le départ du goleador serbe. Il est resté 3 ans et demi avec un total pile de 100 buts, toutes compétitions confondues. Dejan Jovetic, donc à l'Olympiakos, énorme joueur pour Nancy. Il aura fait donc 3 saisons et demie extraordinaires. Il est arrivé libre de Galaxy. Il est arrivé à la mi-saison, 15 matchs, 18 buts, 7,41 de notes. On était monté en Ligue 1 et en Ligue 1. Incroyable, 36 matchs, 26 buts, meilleur buteur du championnat, énorme saison
du club, énorme saison du joueur. On verra toutes ses récompenses juste après. La saison suivante, 30 matchs, 23 buts, 7-15. Il est toujours dans cette petite moyenne de 7-10, 7-15, 7-20. Ses stats sont vraiment incroyables. Et lors de la dernière saison, où il a terminé meilleur buteur, seulement 19 buts en 28 matchs. Ce qui fait l'un des buteurs les plus prolifiques de la SNL. Il va vraiment nous manquer. Il fallait faire un choix cette année entre le garder ou le faire partir, histoire de récupérer un peu d'argent et de recruter et de tenter des paris. J'ai pris la deuxième décision. Je pense qu'à un moment, je pouvais plus vraiment passer un cap avec ce joueur en Coupe d'Europe. Et j'ai préféré recruter un jeune joueur avec un niveau similaire qui peut encore progresser à l'avenir. Mais Dejan fait partie des grands noms du club. On va passer à ses trophées. Il a été meilleur buteur donc de Ligue 1 en 2022-2023 devant un certain Neymar et Dominique. Il a été meilleur espoir de la Ligue 1 et en 2023 toujours il a été soulier d'or européen. Une saison exceptionnelle pour lui et à la clé une deuxième place pour Nancy. Saison 2024, il a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mason Greenwood et troisième place dans le soulier d'or européen juste derrière Greenwood et Erling Haaland. Et cette année, deuxième fois donc meilleur buteur de la Ligue 1 devant Milik et Ben Yedder. Au niveau des buts, c'est quand même l'un des plus faibles avec 19 buts. Mais on se souvient de cette dernière journée où il s'offre un triplé qui lui permet de terminer juste devant Milik au nombre de matchs joués. On va juste faire un petit point aussi sur les repères historiques. Il a battu le record donc en 2022 en Ligue 2. Ses 4 buts contre Valenciennes, souvenez-vous, c'était son premier match avec le club. Il est arrivé la veille, le lendemain, il nous claque 4 buts directs. Ça a été vraiment exceptionnel ce jour-là. Il est devenu le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts en un seul match. Et en Ligue 2, c'était le plus grand nombre inscrit au cours d'un match. Et dans cette même saison, il est devenu le buteur le plus prolifique de Nancy avec 18 buts. En 2023, il a battu son propre record avec 26 buts. Et il est devenu le buteur le plus rapide contre le PSG après seulement 9 secondes. Il a ensuite battu le record de buts d'un jour de Nancy. Cette fois-ci, 27 buts, 1 but que le précédent record de l'année dernière. Et la saison dernière, il n'a fait que progresser. Il a mis 29 buts. Il a progressé de saison en saison pour être enfin être la plus grosse vente du club début juillet avec 30 millions d'euros. On va quand même suivre ses résultats à l'avenir à l'Olympiakos. On va rester concentré sur notre club et sur le nouvel attaquant Pablo Montserrat. Je vais juste dire merci Dejan. Parlons ensuite de départ de joueurs clés de la saison dernière. Thomas Passila qui est parti à Cagliari pour 17 millions d'euros. Essem Hassan qui est parti à Hambourg pour 12,5 millions. Et après, c'est que deux joueurs de l'équipe 2 ou équipe 1 qui ne jouent jamais. On a fait quand même un gros mercato. On voit quand même la courbe. 2021-2022, ça n'a rien passé. 2022-2023, très peu d'achats, très peu de départs.
2023-2024, voilà, 2,3 millions de birons et seulement 875 000 de départ. La saison d'après, le plus gros joueur, c'était Lucas Cachavenda. Le plus gros départ, Carbonero. Et cette année, on a exposé les arrivées et les départs. 37 millions et 99 millions dans l'autre sens. Voici la composition type pour cette année. Seulement 3 changements dans l'équipe type. On a l'arrivée de Wei, le jeune Australien qu'on avait prêté la saison dernière à Grenoble. Avec une saison à 7-18, 35 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. C'est vraiment le joueur le plus talentueux qu'on a au club. Il a déjà 7 sélections et il a des stats vraiment incroyables pour son âge. Donc il vient remplacer Thomas Basila avec donc dans les buts Perez, arrière gauche Manuel Sanchez, la défense centrale donc Wei avec Daniel Ballard, Stuart Ottesen qui compose le côté droit de la défense. Les milieux de terrain sont Warren Bono et Ahmed Doucouré. Milieu gauche, Shell de Rupp. Milieu droit, Adam Lozek. Ricky Puig qui se met juste derrière l'attaquant qui se prénomme Pablo Montserrat. J'espère qu'il va nous faire du bien dans cette saison. Il y a du monde derrière pour lui passer le ballon. À lui de faire la différence dans les grands matchs. Avant quand même de passer au championnat, petit point sur le trophée des champions et défaite 3-2 contre le PSG. Une ouverture score de la nouvelle recrue Pablo Montserrat sur une erreur de la défense. Adam Lozek qui en profite et qui vient donner ce petit ballon à Pablo. Le PSG qui déroule ensuite avec 3 buts. 28, 49 et 87 minutes de jeu. Et dans les arrêts de jeu, 94e minute de jeu, Lucas Cachavenda qui a marqué ce petit but sur une passe d'Otessen. Un match disputé des deux équipes. C'est dommage d'avoir gagné ce trophée du champion pour la deuxième fois d'affilée. Mais c'est pas l'objectif de la saison. En Ligue 1, très bon mois d'août. 10 points sur 12. Une victoire contre Lorient. 4-1. Ouverture score de Shell de Rupp sur une erreur du gardien. Énorme bourde qui permet au club de mener 1-0. S'en suivent des buts de Ballard sur un corner de Shell de Rupp. Shell de Rupp qui va dans son doublé sur une passe de Warren Bondo. Et Warren Bondo, double passeur, cette fois-ci pour le premier but en Ligue 1 de Pablo Montserrat, qui est déjà à 2 buts avec le trophée des champions en 2 matchs. Ça promet pour l'avenir. Et la deuxième journée du championnat à Francis Lebay à Brest. Une victoire à l'arraché à la 89e minute de jeu et un but de Starling Garcia qui vient marquer un superbe but sur une passe de Tefoun et ce petit piqué qui vient donner la victoire au club. Grosse domination, 21 tirs, 9 cadrés. Ça me rappelle les matchs dominés de la saison dernière où on pratiquait un super football et ces 20 tirs de moyenne, on en est encore là. Il a fallu une victoire à l'arraché, mais très importante. Ce petit nul contre le GC Nice, 0-0. Domination, bien sûr, nancéenne. Mais il n'y a pas eu ce petit but, comme contre Metz, qui aurait fait la différence. Deux matchs, dommage. Il fallait absolument remporter le prochain match. Et chaussettes contre le SC Nantes. Victoire 2-1. 2-1 avec encore un but de Ballard sur une passe de Shell de Rupp à la 55e minute de jeu. Shell de Rupp
qui marque ce second but à la 71e minute de jeu sur penalty. Manu Sanchez qui s'était fait expulser 10 minutes avant à la 65e minute de jeu. Et Nantes qui à un quart d'heure de la fin réduit le score sans parvenir à égaliser. Encore grosse prestation de Daniel Ballard, le défenseur central, Andreas Schelderup qui nous fait un début de saison extraordinaire. Il en est à 4 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Il part vraiment sur de très bonnes bases. Au niveau classement, pour l'instant ça ne veut rien dire. On est 4ème avec 10 points. Le PSG devant avec 12. Lille 12 points. Lyon 10 points. Ça va être encore une grosse saison cette année. Et qui dit grosse saison dit bien sûr Ligue des Champions. On va passer au groupe avec le tirage au sort. Et voilà, on est dans le groupe F avec Dortmund, qu'on avait joué l'année dernière, avec deux défaites au compteur. Porto, qu'on avait joué lors de la première saison, avec, souvenez-vous, un premier match à Porto où on avait perdu à la 93e minute de jeu sur penalty, et un retour où on s'est fait mitrailler 5 buts à 1. Donc deux défaites contre Dortmund, deux défaites contre Porto. Et la dernière équipe, c'est Villarreal qu'on n'a jamais rencontré. Là, on pourra vraiment dire si on a vraiment progressé par rapport à ces clubs. On a besoin de sortir des phases de poule et aller très haut et pouvoir remporter cette fameuse Ligue des Champions. Un groupe où on aurait pu tomber avec Barcelone, Madrid, etc. On s'en sort plutôt pas mal. La troisième place est jouable. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la deuxième place. La vidéo est terminée. On se retrouve, comme d'habitude, début février pour les premiers matchs aller. Le mercato hivernal, s'il y a eu du changement. Et les matchs de Ligue des Champions. Je vous dis merci beaucoup. Je vous laisse mettre vos petits commentaires juste en dessous. Vos petits abonnements. Le petit pouce bleu. Et je vous dis bye!